We've got gun. both left. Slot Dixie left. He left. Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. Seventy-five. Katie. Omaha. We're going. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go Salut à tous et bienvenue pour ce 393e podcast Made in Touchdown Actu, le quatrième de l'année consacré au prospect draft avec les receveurs à l'honneur aujourd'hui. Une classe de cible qui risque fort de se faire sa place dans le top 10 en avril prochain. On s'intéressera donc aux trois têtes d'affiche de la position. Le match-up de la semaine concernera aussi le domaine aérien avec la confrontation du week-end passé entre Amon Rassenbrand de USC et Diomodor Lenoir. D'Oregon. On fera enfin un focus sur nos pépites de la semaine. Tout cela avec un tout nouveau chroniqueur audio, en tout cas, Monsieur Alexandre Locke. Salut, Alex. Salut, Greg. Bonjour à tous. Et très heureux de t'avoir en notre compagnie. Donc pour ta première donc du, du podcast Draft, euh, on peut le dire. On, est, on, on, on balance pas les appointances des, euh, des chroniqueurs euh, de ce genre Actu, mais on peut dire que tu aimes une franchise au fromage. Exactement une franchise qui va peut-être avoir besoin de receveur je crois en mois d'avril en tout cas euh, selon cette demoque. Tout ce à fait. Alors j'espère qu'on sera un peu trop bas dans le dans la sélection pour ces trois <laughs> ces trois gaillards qu'on va qu'on va analyser mais oui effectivement. Je te le souhaite aussi. On pourra étoffer un peu tout ça. On est d'accord. On va commencer d'ailleurs tout de suite dans lui on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec donc cette classe de receveur par l'intermédiaire de la chronique tu préfères. OK, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Et on va parler justement dans cette euh, première partie d'émission d'un grand copain de Joe Burrow, euh, puisqu'en effet, les receveurs vont avoir la cote euh, au cours de cette euh, classe de draft 2021, en tout cas euh, d'apparence. Hein. Euh, C'est ce qu'on avait évoqué notamment lors de la moque euh, du début du mois de décembre avec euh, Victor. Trois receveurs notamment qui crèvent l'écran. Il y en a plus ou moins quatre également avec le receveur de Minnesota, Shot Bateman, qu'on aura sans doute l'occasion euh, euh, de comment dire, de d'analyser entre guillemets jusqu'au mois de, de février mais il y a quand même un trio qui semble se dégager au port du top 10 voire dans le top 10 euh, il s'agit du duo d'Alabama euh, Devonta Smith et euh, Jalen Waddell ainsi que donc le receveur des l'ancien receveur du coup de Joe Burrow Jamar Chase. Alors, pour recontextualiser de nouveau, je vais redonner euh, les stats. On rappelle que Jamar Chase n'a pas joué cette année puisqu'il s'est mis en retrait euh, volontairement euh, de par la, la situation sanitaire. Euh, certains diront que c'est peut-être aussi pour préserver également son statut de top 10, top 5 euh, en amont de la draft. Donc, Jamar Chase, en tout cas, l'année dernière, dans la folle saison de, de LSU, c'était 84 réceptions pour 1780 yards et 20 touchdowns. Donc, des chiffres qui donnent un peu le tournis. Hein, donc, c'est... Euh, Environ 14-15 matchs de jouer pour les, pour les Tigers. Euh, et puis cette saison, donc, les deux joueurs d'Alabama euh, qui eux, ont participé au Jout de 2020, avec une saison écourtée pour Jalen Waddell, qui termine tout de même avec 25 réceptions, 500, 500, 557 yards pardon, et 4 touchdowns. Et Devonta Smith, qui a été euh, l'une des vedettes de cette saison euh, universitaire. 98 réceptions au compteur, 1511 yards et 17 touchdowns. Un touchdown à la course plus un touchdown sur retour de coups de pied, ce qui en fait à l'heure actuelle, on peut le dire, un gros candidat pour le titre de Heisman Trophy, ce qui est du jamais vu euh, en collège football depuis le début des années 90. Euh, alors, ce que je te propose, Alex, on va donc décortiquer ça en trois catégories euh, les forces principales hein, des receveurs, ce oui. qu'attendent en, pri en priorité les franchises de ces de ces joueurs-là. Euh, on va donc avoir euh, les tracés, la fiabilité des mains et euh, le plus global, à savoir les attributs physiques. On va commencer par les tracés. C'est devenu quelque chose de prépondérant aujourd'hui en NFL de savoir feinter son adversaire direct, son cornerback direct. Qui est-ce qui te fait la meilleure impression d'un point de vue course, comme on le dit en anglais, d'un point de vue tracé pour vraiment mettre en difficulté les cornerbacks adverses alors, pour moi, même si les trois euh, ont de, de beaux arguments dans le domaine, Jamar Chase me paraît être celui qui a le, le plus gros panel et, on va dire, le, le meilleur instinct sur, sur ses tracés. Euh, il a montré l'année dernière euh, toutes ses capacités à, à trouver les, euh, aussi les espaces, il s'est se, positionné, s'ajuster par rapport au lancer. Euh, il, il peut jouer, on va dire, sur. Euh, à l'extérieur comme à l'intérieur, enfin comme dans le slot plutôt. Donc, je, je retiendrai Chase en priorité. Maintenant, euh, je dois reconnaître que euh, Smith, on a l'impression que d'année en année il progresse, et c'est pas pour rien si cette année il sort euh, une feuille statistique et un, un rendu visuel aussi euh, aussi incroyable. Euh, je pense que c'est, euh, il a une marge de progression qui est euh, qui est importante. Il a euh, Bon, on y reviendra plus tard aussi euh, d'autres euh, atouts euh, liés à, sa, à son positionnement et à, et à ses, euh, sa capacité à évoluer dans différentes positions. Quant à Weddle, euh, bon, son problème principal, on va dire, c'est que il a été euh, la quatrième corde, comme disent les Américains, en 2018 et 2019, parce qu'il faisait partie d'une escouade euh, assez incroyable derrière. Euh, derrière euh, Andre Ruggs, euh, Jerry Jody et donc devant euh, Smith. Mm -hmm. Donc il a été souvent limité dans le slot. Cette année, on a vu sur les quatre matchs auxquels il a participé que qu'il y avait des progrès. Il y a une marge de progression. Je pense que son plafond est assez élevé euh, sur, euh, sur les tracés, justement. Mais c'est celui qui présente le plus d'incertitude euh, à l'heure où on se parle. Oui, non, très clairement. Alors ça, c'est sûr que je l'ai pas dit dans l'introduction. C'est quand même des profils assez différents, euh, malgré tout. On a un, un Jamar Chase qui est peut-être plus dans le côté, alors on développera tout à l'heure avec les gabarits, mais c'est vrai que ça joue justement sur différentes armes pour se défaire justement des cornerbacks adverses et pour avoir justement cette capacité de réaction euh, qu'on évoquait. Et Je te rejoins, c'est sûr que Jamar Chase a aussi marqué énormément de points par rapport à ça. Après, je n'ai pas dans l'idée qu'il ait évolué de la même manière, justement, parce que le système d'élection en 2019 était quand même extrêmement écarté. Ça joue beaucoup sur du 1 contre 1, alors que du côté d'Alabama, j'ai la sensation que même si ça peut être le cas, euh, on a tendance également à jouer beaucoup dans les espaces, à aller beaucoup chercher les brèches et à jouer sur la, sur la vitesse après réception des, des différentes cibles. Et c'est là aussi là-dessus où je pense qu'en en zone intermédiaire, des joueurs comme Waddell ou Smith sont, des, sont extrêmement dangereux et extrêmement capables de se défaire très rapidement. On n'a rien de temps de, de, de leur cornerback. Et Jamar Chase, oui, en effet, euh, a joué sur d'autres armes du côté de LSU, mais je te rejoins, c'est vrai que au premier abord, on sent quand même qu'il y a une capacité de tracer qui a l'air assez supérieure. J'allais dire notamment sur le jeu profond, même si je pense que Devonta Smith se ouais. défend un peu. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière, notamment quand il avait affronté Derek Stingley euh, de LSU, Tout à fait. qui est quand même pas le premier cornerback venu. Hein. Exactement. Après, effectivement, là. Euh... Weddle, c'est sa capacité, euh, notamment dans, dans les doubles moves, à décrocher sur un quart de seconde, son vis-à-vis. C'est ce qui le rend aussi excitant et aussi euh, fascinant, je pense, pour tous les scouts NFL. Euh, Chase, c'est on va dire la fiabilité. Voilà, c'est euh, le receveur de possession. Il maîtrise, euh, il, sait, il sait faire les, les choses comme il faut. Il y a peut-être pas, euh, en ce qui me concerne, l'étincelle. Euh, la flamboyance que peut apporter, ou le grain de folie que, peut apporter, que peuvent apporter les, les deux compères d'Alabama, mais il y, a, il y a des certitudes. Voilà. Enfin, des certitudes sur une saison. Oui, c'est ça. J'aurais aimé le voir cette il... année, en fait. Voilà, c'est aussi pour ça, c'est vrai qu'on a une base assez solide, même si euh, bon, l'attaque de Bama est quand même extrêmement chargée depuis plusieurs années maintenant, hein. c'est limite ce qui porte le, le programme, alors que ça a longtemps été la défense. Là, l'attaque est vraiment inarrêtable et les receveurs contribuent beaucoup. Et ça nous permet d'avoir une bonne base justement pour pouvoir analyser tout ça. C'est sûr qu'à LSU, dans une année où, entre guillemets, tout le monde a performé Job le premier, qui sortait d'une saison 2018 plus ou moins quelconque et qui a explosé derrière, c'est sûr que ça n'aide pas à avoir vraiment un, une vision claire sur ce que vaut Jamar Chase euh, euh, sur, la, sur, la, sur la durée. Quoi. Euh, si on prend la fiabilité des mains à présent autre chose assez euh, importante euh, alors est-ce qu'il y en a un qui se dégage ou en tout cas est-ce qu'il y en a un qui t'inquiète un peu plus sur le phénomène des drops alors celui qui se dégage pour moi c'est Devonta Smith il, euh, il a je trouve des mains assez incroyables il a un des taux de drop les plus bas du pays euh, ces deux dernières saisons mm -hmm. euh, il est habile à une main on l'a vu cette année contre LSU justement où il a attrapé euh, il a marqué touchdown à une main au-dessus de Stingley Justement. Oui. Euh, après, euh, Chase, ça, ça, reste, ça reste très bon, mais c'est peut-être celui qui, que j'ai vu euh, relâcher quelques ballons. Mais pour moi, il n'y a, y a, a pas de red flag à ce niveau-là. Oui, ce n'est pas, pas au point d'être euh, extrêmement. Euh... Extrêmement inquiétant, euh, en l'occurrence. Voilà, C'est quand même un panel qui a l'air de globalement te rassurer. Tu ne te dis pas il y en a un qui va avoir besoin d'un temps d'adaptation quand même assez important pour être évidemment en confiance Honnêtement, euh, il n'y a, y a rien qui m'alerte sur, sur les mains. Alors évidemment, euh, euh, on verra à, à l'échelon supérieur, il peut y avoir des mauvaises surprises. Mais euh, Weddle, avec sa, sa capacité justement. Euh, de tout ce qui est hier d'après réception, les courses, euh, il a montré que il savait, il savait aussi y faire. Donc je ne suis pas j'ai aucun souci pour moi. Les trois sont, sont plutôt fiables. Il ne devrait pas oui, y avoir on, de problème. Oui, oui, on, on est d'accord. Franchement, sur les, sur, les, sur les cases tracées et... Et fiabilité des mains, c'est difficile honnêtement de leur trouver des points faibles. Je parlais tout à l'heure du physique, on va peut-être y venir maintenant, euh, le gabarit physique, parce qu'en l'occurrence, c'est peut-être la catégorie la plus vaste euh, qu'on va mettre en avant, qui regroupe différentes choses. Hein. Donc, euh, euh, justement, enfin, euh, les attributs physiques en règle générale, donc c'est-à-dire le, le, le gabarit, la vitesse, euh, tous ces éléments qui peuvent permettre à un, à un receveur de durer euh, et de durer en étant vraiment performant. Euh, je, disais, je commençais à dire tout à l'heure, en effet, que ces trois profils relativement différents, ouais. on a quand même... Alors, Jamar Chase et Devanta Smith font la même taille, oui, il font me font semble. La même alors, c'est quoi, c'est 600, ça va être un bon 1m80, mètre 84, 85. Hein 84, 85, Ouais. Euh, c'est un peu plus grand encore que ce que je disais. Mais euh, ouais, du coup, non, il y a quand même... Euh... Par contre, euh, on sent que peut-être a l'air quand même un peu plus costaud. Là où oui, Devanta alors, Smith a, est peut-être un poil même... plus long et ligne. Il y a 15 kilos d'écart quand même entre les deux. Ouais. Euh, c'est vrai que quand on voit quand on voit Smith, euh, on dirait plus un coureur de 1500 mètres qu'un joueur NFL. Il est, euh, il a des toutes petites jambes, toutes fines. Euh, on a, on a presque peur pour lui à chaque impact. C'est euh... ce qu'il a longtemps discrédité d'ailleurs. Hein. Avant sa grosse saison, on disait bon, c'est un receveur qui est, qui est, euh, qui est capable en effet d'avoir des très bons tracés, d'être extrêmement vif d'être précieux, mais est-ce que c'est un joueur qui va être capable de, de subir le, le harcèlement entre guillemets d'un cornerback euh, moderne en NFL Est-ce est qu'il t'a totalement rassuré par rapport à ça, de ce que tu as bah, vu cette année Rassuré actuellement, oui. Euh, il a, on l'a pas vu souffrir de grosses blessures, etc. Mais c'est vrai que euh, le gabarit peut poser quand même question. Et euh, au, moment de, au moment du processus draft et, et au moment de la sélection en avril, euh, je pense qu'il y aura quand même quelques Quelques réflexions dans les war rooms pour savoir si euh, on risque pas de le voir exploser, enfin euh, de se faire exploser euh, dans un an, dans deux ans, ou effectivement avec la répétition des, des chocs, dans, avoir une durée de vie un petit peu plus courte. Ouais. Et, et pour Jalen Waddell, alors c'est un profil encore plus, euh, c'est un profil plus petit, hein, plus ouais. vif, plus explosif, très plus clairement. Explosif. Hein, il joue sur des armes différentes. Euh, son problème, c'est qu'il a été blessé, hein, donc en cours de saison, je le disais tout à l'heure. Euh, blessure qui a écourté sa saison, et en effet, on n'en voit pas suffisamment. Après, euh, bon, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de dire qu'il faut des, des receveurs massifs pour performer en NFL. Euh, ça peut quand même être un espèce de Tyreek Hill, puisqu'on prend toujours la, la comparaison, hein. cette comparaison-là, sur les, sur les speedsters qui peuvent performer euh, dans la Ligue. C'est ça, c'est qu'en fait, Weddle, euh, c'est euh, une bombe atomique en termes de vitesse. Enfin, moi, je me, je me rappelle là, quand il m'a éclaboussé euh, aux yeux la première fois, c'était la finale sec il y a deux ans contre Georgia, où euh, il prend le ballon euh, sur un, un, un petit tracé et il, il dépose tout le monde sur, euh, sur 45-50 yards pour aller marquer. C'est vraiment, c'est le profil, euh, effectivement, comme tu dis, du speedster. Il y a du Tyrek Hill. Il y a, en fait, depuis Tyrek Hill, on a l'impression que c'est un gabarit qui est devenu un petit peu à la mode. Donc, je, je pense que ça ne devrait pas lui poser de soucis. Par contre, son, sa blessure, effectivement, euh, ça, non seulement ça l'a desservi pour prouver euh, sa progression cette année, et euh, on sait qu'une blessure en cours de saison, quelques mois avant la draft, ça pose toujours question et ça ça nuit au draft stock comme on dit. Après, j'ai lu qu'il pouvait éventuellement revenir, euh, peut-être là euh, pour les playoffs. Bon, à voir. Ouais, on va voir. Mais en tout cas, ça va être euh, des, des trois joueurs, ça va sûrement être le plus scruté en l'occurrence, ouais. enfin, en, presque encore plus que Jamarcus en l'occurrence, euh, par rapport justement à la façon dont il va réussir à se remettre euh, de ses de ses pépins physiques en l'occurrence. Et je te rejoins, c'est vrai que voilà, on l'a pas vu. Autant performé qu'on aurait vu, mais il y a vraiment des matchs qui marquent. Il y a ce fameux match, justement, cette saison également contre Georgia où Devonta Smith fait un gros match. et où Jalen Waddle aussi, contre deux corners très cotés et qui seront très suivis également d'ici le mois d'avril prochain, a quand même, a quand même fait souffrir le, le, backfield défensif des Bulldogs. Donc vraiment, ça va être quelque chose à, à suivre puisqu'il a la vitesse, euh, il a la vitesse en plus. Hein, je pense que sur cette catégorie-là, on peut quand même mettre Waddle euh, légèrement devant, même si euh, voilà, encore une fois, il oui, faut, faut voir comment il se remet. Son temps, son temps sera scruté le, le, mmh. sur le, le 40 yards, c'est certain. Mais au-delà euh, au de la vitesse pure, c'est vraiment sa capacité d'accélération, l'explosivité sur les, euh, les premiers pas qui sont, euh, qui sont vraiment incroyables. Et, euh, bon, et après, il a, il a d'autres qualités. Euh, on l'a vu en, sur retour de coup de pied. Il a marqué, je crois, quatre touchdowns. Euh, c'est une avec un petit mouvement de de hanches ou de pied, il, voilà, il dépose le son vis-à-vis -vis et il a cette vision, il arrive à voir les trous dans, le, dans la défense. Et... Oui, oui c'est un joueur, en effet, qui, en un mouvement, comme tu dis, peut, peut vraiment créer des différences notoires. Et c'est tout ce qu'on cherche. C'est un cauchemar en termes de match-up. Et c'est ce que peut apporter Jalen waddle ainsi que ses deux compères. Donc, euh, voilà, ce sera un, un, un duel, un trio, en tout cas, sur de très près d'ici avril prochain. Je ne sais pas si je peux me permettre la comparaison, mais si on, si on analyse par rapport à l'année passée, euh, on peut peut-être dire que waddle ça ressemble à Henry Ruggs. J.Vanta oui. Smith, peut-être, à, du, à du Judy. Et Jean-Martin, ils du CD Oui, ce n'est pas une mauvaise comparaison. Si on prend une comparaison un peu grossière. Oui. Hein. Alors, à <laughs> voir s'ils vont sortir dans le même ordre que ces trois-là. Mais c'est vrai que honnêtement, le trio de, de cette année, pour moi, n'a rien à envier au trio de l'année dernière. Clairement. C'est euh, sûr. Il sûr. y a un niveau, une capacité. Ils ont déjà un, un niveau actuel qui est, qui est assez phénoménal. Et je pense qu'il y a quelques franchises qui vont se frotter les mains euh, au printemps. Je te rejoins. On va parler justement d'un autre receveur tout de suite, euh, puisqu'on va analyser le match-up de la semaine entre Amon Rassen Brown et Diomodor le Noir. C'était donc les finales de conférence le week-end passé, l'occasion de s'intéresser à un duel aérien qui concernait la finale de conférence PAC-12 entre USC et Oregon. Deux joueurs, un receveur et un cornerback, donc, qui sont un poil plus en retrait, en l'occurrence par rapport au haut du panier, en tout cas pas attendu au premier tour à l'instant où on se parle. C'est donc Amor Hassen Brown, joueur de USC, frère d'Icoanimeus, que tu connais un petit peu, Alexandre, du côté de Green Bay voilà je te... euh, et donc du coup euh, joueur qui monte un petit peu en puissance au cours de cette saison qui est peut-être plus aux alentours du deuxième tour pour l'instant mais qui en tout cas grimpe euh, et donc le Noir Cornerback d'Oregon euh, qui s'était mis un temps en retrait puis qui finalement est revenu euh, du côté du campus euh, de Eugene et euh, joueur qui est euh, là aussi encore un petit peu euh, c'est toujours un peu compliqué le pôle des cornerbacks mais euh, allez on va dire peut-être aux alentours du, du troisième quatrième tour si on est optimiste euh, à l'heure actuelle euh, mais donc, en tout cas, ça pouvait permettre de faire augmenter la cote de l'un ou de l'autre, qui ne se sont pas toujours affrontés directement sur non. ce match là, euh, pour, pour des raisons qu'on va sans doute évoquer. Mais euh, on va d'abord développer, euh, en analysant notamment Amon Raset Brown, hein, qui est donc le principal prospect, hein, en tout cas des deux qui est le plus coté, euh, quel a été le point fort selon toi, si on s'appuie sur cette confrontation entre USC et Oregon? Euh, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a fait marquer des points euh, dans ce que tu as vu euh, vis à vis du receveur des Troyans? Alors, effectivement, Saint-Brown, c'est un receveur qui, a, qui, qui progresse euh, cette, cette année. Et ces dernières semaines, son, son binôme avec Kendon Slovis, dont on parlera certainement l'année prochaine, euh, tourne de mieux en mieux. Et euh, le, on, a on a vraiment l'impression qu'il qu ouais, qu progresse, qui qu qu s'affine dans son jeu. Euh, là, s'il y a, y a une action à retenir euh, de cette… Euh, de cet affrontement entre les deux bah, évidemment c'est le touchdown de saint Brown où sur, euh, sur euh, un double un, un tout petit double move il dépose le noir mais au sens propre parce que le noir sort, est, sur sur les c'est une seule fois d'ailleurs où ils se croisent hein. exactement oui. <laughs> donc euh, forcément ça a marqué des points euh, il a cette capacité de séparation et euh, sur, euh, sur euh, quelques, quelques appuis euh, il a un bon jeu de pied il est bon, euh, il est bon euh, pour ce Comment dire pour se positionner entre les lignes, on l'a vu notamment bah, le juste le, le jeu avant son touchdown où Slovis est un petit peu perdu, il cherche une solution et on voit euh, Sam Brown revenir entre les deux les deux lignes de défense euh, de pour lui proposer une solution et ils, ils obtiennent le, le first down comme ça. Donc il a un instinct qui est vraiment intéressant. Euh, J'ai eu le sentiment qu'il aurait pu euh, être encore plus mise en valeur dans cette dans cette finale de, de pac 12. Bon, malheureusement, la, la, la ligne défensive d'Oregon euh, a pas laissé euh, a pas vraiment laissé Slovis s'exprimer. Il a un peu fait passer une mauvaise soirée. Donc, saint Brown a, a eu une production limitée. Mais bon, les quelques fois où on l'a vu, je l'ai trouvé euh, sérieux. Voilà. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que ouais, j'ai en effet noté ouais, ce ce côté, alors en effet, son impact notamment sur le touchdown qui marque et en effet cette capacité de séparation. Hein, en, en un contre un, c'est pas le receveur qui va être le plus impressionnant de cette classe, mais il est parfaitement capable en effet de, euh, de, de trouver des des angles pour lui permettre de voilà d'avoir d'avoir une petite fenêtre pour son, pour son quarterback. Et en effet, c'est vrai que cette action est assez symptomatique. Le, le comeback, justement, où il revient pour aller chercher le Force d'armes, en effet, ça montre la réactivité Et dans un match où son quarterback était pas mal mis en difficulté. Oui, dans une est... NFL où on sait qu'il y a de plus en plus de quarterbacks qui aiment bien se crambler pour gagner du temps, euh, je pense que ce genre d'instinct assez précieux, surtout que... Alors je m'avance un peu là, c'est pareil, c'est le même, c'est la même en, en taille, c'est à peu près la même chose que Chase ou, euh, ou Smith. Hein. C'est euh, ouais. un bon mètre 84. Pourtant, euh, c'est peut-être plus un joueur attendu du côté du slot. Et en effet, je pense que ça peut être un joueur, euh, ça peut être un joueur qui peut proposer des solutions intéressantes dans le dans le jeu intermédiaire en l'occurrence. Donc c'est vrai oui, qu'il m'a assez conforté là-dessus. Tout à fait, dans le slot, il peut être intéressant parce qu'il est, il est plutôt aussi à l'aise dans les, dans les yards gagnés après réception. Mmh. Donc euh, je pense que ça peut être, ça peut être une, une solution qui pourrait plaire. Euh, et c'est surtout voilà, cette, cette capacité à avoir progressé. Et au cours des derniers matchs, alors la Pac-12 n'a pas énormément joué cette année, euh, mais euh, on l'a vu, il euh, y a quelques matchs où il a, il a brillé dans différentes phases de jeu, dans différentes zones du terrain. Donc euh, ouais, c'est une cote qui progresse et qui, euh, qui est à suivre dans le processus avec le combine et euh, les entretiens. Son point faible du coup Alors son point faible. Euh, c'est... Euh, tu as le droit de ne pas en avoir vu. Hein. <laughs> Alors là, sur ce match, c'est ce difficile, si tu veux, parce que effectivement, j'ai essayé de regarder, de faire un focus un petit peu sur lui. Euh, il, a pas, il, a, il a été peu sollicité. Euh, le, les blocs pour, pour aider dans le jeu de course, euh, ça, surtout s'il doit, il doit évoluer dans le slot, ça sera, ça sera à, à travailler davantage. Euh, il manque un peu d'impact mais il manque un peu peut-être de, de, de volonté on va dire mais bon ça ça sera assez coach de le de le de le driver voilà après sur ce match là c'est c'est difficile pour moi il a il a il a plus été limité par son la prestation de son quarterback que par l'adversité j'avais le sentiment vraiment qu'il pouvait qu'il aurait pu jouer un aider USC à rester dans le match et peut-être même à à remporter euh, s'il si avait pu toucher plus de ballons. Oui, non, enfin, alors, je, te, ouais, ouais, je, te, je te rejoins très franchement sur, le, sur la question des blocs. C'est vrai que alors, je ne sais pas si c'est une question de technique ou en effet, comme tu le dis, de volonté, mais c'est vrai qu'on l'a vu se faire un peu bouger euh, une ou deux fois. J'ai souvenir notamment il y, a une action, il y a une action où il va carrément s'empaler sur son coéquipier qui a le ballon. Euh, bon, ce qui quand même annihile un petit peu l'offensive en l'occurrence. Ouais. Euh, quand es censé être bloqueur, c'est quand même problématique. Et après, c'est vrai que sur cette même question de volonté, j'ai senti que il euh, y avait des actions où il avait tendance à attendre un petit peu le ballon. Euh, et c'est vrai que quand il avait des espaces, il le faisait quand il était un peu plus dans le trafic. J'ai la sensation que voilà, il attendait que son quarterback lui envoie le ballon et que après bon, il disait je vais faire la différence avec mes mains et tu sens pas non plus une capacité, je sais pas par exemple si vraiment en sur un duel en un contre un, je sais pas s'il gagnera euh, forcément trois duels sur quatre quoi. C'est c'est là-dessus que ça m'inquiète un peu et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le côté euh... Motivation, c'est peut-être un peu sévère, mais euh, ouais, le côté peut-être inconstance à ce niveau-là. Voilà. Euh, c'est voilà. ce que j'allais dire. L'inconstance, on a l'impression que c'est un joueur qui fonctionne par séquence. Mmh. Euh, il va fonctionner pendant, pendant un, deux drives de suite, et on l'a vu là notamment, le, le drive où il marque, il est sollicité trois ou quatre fois, et, et ça fonctionne. Et après, il disparaît, et il est passif, effectivement, voilà, dans, dans le jeu sans ballon. Donc euh, effectivement, avoir la, 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 la consistance sur, le, sur la durée d'un match euh, chez les pros, ça va, être, euh, ça va être à suivre. Alors on passe à Divo dans le noir du coup. Euh, Cornerback. Euh... J'allais dire parce que numéro 1 hein, désormais d'Oregon avec les nombreux joueurs qui sont mis en retrait euh, cette saison. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation globale Il fait une interception sur ce match. Hein, qui oui, sur été, le premier euh, jeu. Voilà, qui a été décisif, hein, premier jeu de la rencontre. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation Quel a été son point fort en tout cas selon toi de, Par quoi il s'est distingué Alors, bah, le noir, justement, bah, à l'image de cette interception, euh, c'est un joueur qui a, qui a beaucoup d'instinct. Euh, alors, même si l'interception pour moi, il y a peut-être. Euh, Interférence, mais bon, ça c'est mmh, un peu. <laughs> c'est vraiment un joueur voilà, qui, qui se sert de son instinct et notamment euh, en, quand euh, ils évoluent en zone pour aller, pour aller euh, traquer, le, traquer le ballon et savoir comment intervenir. Après, euh, son défaut, à contrario, c'est euh, là aussi une inconsistance et euh, des, euh, des absences des absences de concentration, des absences de. Là, j'ai en tête aussi le deuxième touchdown du USC qui est marqué à la course. Il est positionné sur la ligne pour pour défendre. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Il a une absence terrible. Il recule de deux pas. Et le touchdown. Enfin, il est absent sur le sur la défense. Le coureur de d'Oregon aurait foncé sur lui et il est voilà, il s'efface quasiment spectateur. tout seul de la séquence, en gros. Quoi. Pardon Il s'efface quasiment tout seul de la séquence Il s'efface, oui, quoi. complètement. Je sais pas, honnêtement, je ne je, je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu. Euh, voilà, c'est récurrent avec lui. Ça, il peut avoir des. des euh, ça peut être un playmaker. Et des fois, il va, voilà, il va disparaître ou, ou manquer, de, manquer de vigilance, on va dire, pour être un petit peu plus. Euh, alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Euh, ça a l'air quand même. Alors, j'ai pas, pas, pas toutes ces mensurations sous les yeux. Il faudra essayer de retrouver ça très rapidement. C'est quand même un gros profil de Nickelback à l'échelon supérieur, on est d'accord. C'est ça, oui. Oui, oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, à Oregon, il évolue dans, il évolue à l'extérieur et dans le, dans le slot aussi, mais euh, ouais, je, je le vois je le vois plus effectivement évoluer dans euh, au, au poste de nickelback à l'échelon supérieur que rester euh, sur les extérieurs. Je pense qu'il y a déjà il y a un déficit de taille un petit peu, mais euh, c'est euh, un joueur qui peut être justement bon pour poursuivre euh, dans cette position là sur du sur du un contre 1 à l'extérieur. Je le sens pas trop. Ouais c'est ça. Alors je, ouais, je vais faire un point assez rapide mais ouais, c'est vrai que le point fort, en effet, je te rejoins sur les instants C'est vrai qu'il euh, a, il a en effet cette capacité à être quand même assez, assez réactif au duel. Et c'est en ça que ça peut être quand même un, un très bon cornerback à l'échelon à, à supérieur. Hein. C'est que, en effet, euh, quand il est pleinement focus, euh, c'est un joueur qui ne va pas hésiter à aller au charbon. Mais euh, moi, ce qui m'a un peu marqué sur ce match-là, c'est vrai qu'il il laisse quand même beaucoup traîner les mains, je trouve. Et ça en NFL, en plus sur un poste de nickelback, ça, ça va ouais. vraiment pas pardonner euh, très clairement. Donc, euh, je pense qu'il va falloir peut-être essayer de le discipliner un petit peu dans cette optique-là. Après oui euh, voilà son 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 profil en effet fait que ça le rend peut-être un petit peu limité et en effet on a tout de suite vu que sur les extérieurs c'était c'était un petit peu un petit peu complexe notamment euh, de par l'action qu'on expliquait avec, euh, avec notamment le, le double move de de Sam Brown euh, qui provoque sa glissade et du coup le, le touchdown euh, cadeau pour pour USC Ah oui cadeau. Voilà donc c'est vrai que euh, voilà, c'est pas un profil qu'on pourra mettre partout sur le terrain. Et encore une fois, c'est un joueur qui va quand même falloir discipliner, mais on ne part pas sur une base, on part pas sur une feuille blanche, quoi. S'il est, est aujourd'hui considéré relativement haut dans la classe de cornerback, même si ça reste une classe homogène, ce n'est pas un hasard. Et voilà, il y a des qualités athlétiques et il y a oui. quand même un certain QI, QI foot. Après, il faut réussir à ordonner tout ça et à ne euh, enfin, pas lui donner trop de responsabilités euh, trop c est, c est pas C'est pas un joueur qui peut. Qui peut prétendre à, à commencer tous les matchs dès l'année prochaine et va lui falloir un apprentissage, mais effectivement, il a des qualités physiques qui sont, qui sont séduisantes et qui peuvent, qui peuvent lui permettre de faire une, mmh. de faire une jolie place dans un. Effectif. Ouais et ouais. puis même sur oui. le jeu au sol. Hein, alors là, pour le coup, c'est sûr que sur l'action que tu décrivais, oui, c'est assez symptomatique, mais c'est un joueur qui peut apporter sur le jeu de course. Et encore une fois, pour un joueur que tu, vas, que tu veux mettre en défense sur le slot. Ça peut quand même être quelque chose d'assez précieux. Quoi. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire. Qui t'a préféré sur ce match-up entre, entre Saint-Brown et Lenoir bah, Comme je t'ai dit, j'aurais aimé voir plus Saint-Brown parce que pour moi, ça se résume un peu à deux actions, son, son match. Euh, mais bon, de par l'affrontement la, entre les deux qui a été remporté par Saint-Brown, bah, je, je vote Saint-Brown. Très bien. Et je suis obligé de poser cette bon, question. J'aime à... bien cette famille. <laughs> C'est ça. Alors, dernière question que je suis obligé de te poser, parce que du coup, avant qu'on passe à la dernière partie. Et ce qui t'impressionne plus qu'Equanimus, du coup euh, Alors, sans paraître trop chauvin, non. <laughs> euh, je suis un grand fan d'Econimus, qui euh, malheureusement est un petit peu sous-utilisé euh, dans le Wisconsin, mais euh, il a un panel un petit peu plus large, je trouve, Saint-Brown et, euh, Saint et l'aîné, pardon, évidemment, ouais. Equanimus. Et, et notamment, euh, alors lui, pour le coup, c'est un super bloqueur. Ouais. Euh, et il a déjà mis quelques cartons à, des, à ses adversaires. Donc euh, non, il a encore une petite euh, mais ils n'ont pas tout à fait le même gabarit non plus. Ouais. Mais euh, je préfère l'aîné pour l'instant. Ouais. Après, après a si a la qui... Monra finit à Green Bay, j'aurais l'occasion. Ouais. Ouais. On ouais. sent qu'il y en a un qui est passé par Notre Dame. <laughs> <Et> après, <la rire> voilà, ça. Euh, très bien, bon, on termine cette émission avec la chronique consacrée à nos pépites. Hey, how y'all doing? This is tight end for the Chargers, Antonio Gates. And you're listening to Touchdown Podcast. La chronique donc euh, sur les pépites, les sleepers comme on les appelle outre-Atlantique, euh, nos joueurs qu'on voit éventuellement sortir euh, au-delà du troisième tour. Et je crois que tu as choisi un défenseur, euh, Alex, un défenseur de Northwestern. Tout à fait, euh, Paddy Fisher, linebacker euh, senior de Northwestern, qui euh, pour moi pour, peut faire office de, de bonne surprise euh, durant cette draft. Euh, c'est l'âme de la défense des wildcats depuis quatre ans. Euh, on a l'impression que le, le niveau de son équipe, en tout cas, de l'escouade défensive, euh, pas dépend de son niveau, mais s'aligne euh, sur son niveau. c'est-à-dire cette année, euh, il est performant, la défense est performante. l'année dernière, ça a été un petit peu plus compliqué. ça a été une année très compliquée pour northwestern. c'est le leader de la défense, et c'est euh, voilà, c'est lui qui c'est euh, pas forcément le joueur le plus talentueux, mais c'est celui qui l'est. Euh, qui les guide. Euh, c'est un joueur qui dispose euh, d'un bon QI football. C'est une machine à plaquer. Donc euh, à son poste, c'est important. Bon, évidemment, ça lui arrive de, de rater quelques plaquages On l'a vu ce week-end dans la finale Big Ten. Où il a il, il a passé une mauvaise soirée face au running back euh, de Ohio State, très Sermon. Mais c'est un joueur qui n'a pas peur de la du contact et qui au contraire aime bien aime bien ça. C'est c'est un gros bosseur, voilà, c'est un gros bosseur. Je pense que il pourrait il pourrait faire le bonheur d'une du, équipe qui cherche un peu de profondeur sur le poste. Ça sera vraisemblablement pas un, un Bobby Wagner ou, ou ce type de joueur évidemment, il manque de vitesse mais je pense que dans la boîte, c'est euh, il peut apporter il peut apporter beaucoup. Euh, J'aurais aimé le voir davantage à Northwestern sur les Blitz, parce qu'il m'a semblé, sur les, quand, on le, quand il est dans ce schéma, il a, il a vraiment du potentiel. Euh, donc je pense qu'il peut, il peut se révéler bien, bien, bien coaché, ça peut, être un, ça peut vraiment être un, une, la belle trouvaille. Aujourd'hui, c'est un, moi si je me trompe, un fin de cinquième, début sixième. Ouais, je pense. Que... Voilà. Après, bon, je pense que, à l'image d'un de, de, Blake Martinez que j'ai bien connu aussi, c'est, le, le joueur, qui, voilà, qui, en plein cœur du, 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 second rideau pour plaquer, 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 plaquer. Voilà. Ouais, c'est je... ça. C'est vraiment un runstopper stopper pur. Et en effet, tu le disais, euh, voilà, le côté, la défense très conservatrice et traditionnelle de Northwestern. Font pas, font pas aux linebackers, euh, utilise pas les linebackers euh, comme on pourrait les utiliser ailleurs. Pas trop de blitz, pas trop de couverture, et c'est sûr que ça n'aide oui. pas énormément à avoir de, beaucoup d'indications sur ce qu'il peut apporter euh, de plus que ce qu'il apporte déjà, et c'est ce qui joue un ça. peu contre lui. Moi, je, je pense qu'associer un linebacker plus rapide, qui, euh, ce qu'on appelle sideline to sideline, ça, ça pourrait être un duo intéressant. Voilà. Donc, il, si, euh, si une franchise qui évolue en 34 le positionne, euh, voilà. À côté d'un profil plus, plus rapide et plus homme à tout faire, je pense qu'il pourrait, il pourrait vraiment s'affirmer et, et rendre de beaux services. C'est sûr. Euh, je suis parti sur un attaquant de mon côté, un tight de Colorado State, euh, très McBride, euh, joueur qui reste relativement en retrait. Il faut dire que Colorado State n'a joué que 4 matchs. Euh, cette année maintenant euh, je trouve qu'il y a eu une très très belle progression de la part du Taïdène des Rams euh, sachant que Colorado State n'a pas eu le calendrier le plus simple au niveau de la conférence ils ont joué pas mal d'équipes euh, extrêmement piégeuses notamment d'un point de vue défensif et c'est un joueur qui a énormément produit il euh, faut, faut savoir qu'il y a eu un changement de coaching stable du côté de Colorado State avec une réorganisation offensive un head coach qui était beaucoup plus centré sur le jeu à la course et pourtant, Trey Break qui était principalement un bloqueur à la base, je trouve, a montré des belles capacités en termes de réception. C'est un joueur qui est capable de proposer des solutions rapides au quarterback pour dépasser passes écrans. Alors, c'est sans doute pas le tight end le plus rapide, hein, c'est un euphémisme de dire ça. C'est pas celui qui va être capable de créer le plus de séparation, notamment sur des passes à plus ou moins 20 yards. Mais en tout cas, c'est je trouve une bonne base là aussi un, un joueur, vraiment un joueur besogneux qui peut vraiment être un excellent tight end blocker dans un premier temps et éventuellement se développer de manière intéressante. Si je prends un exemple, peut-être un Tyler Higby ou ce type de profil-là, mais je trouve que pour un joueur qui était un peu en difficulté, il s'est d'ailleurs inscrit un temps sur le portail des transferts de Colorado State pour finalement y rester malgré le changement de coaching que j'évoquais, Voilà, c'est un joueur qui sait se remettre en question et qui sait à rebondir pour développer un petit peu son panel. Et c'est aussi là où ça peut être intéressant dans la Ligue actuelle. Oui, c'est un joueur que j'ai vraiment hâte de voir dans le processus draft et euh, au combine. Effectivement, il a un déficit de vitesse euh, qui pourrait lui nuire, mais, euh, mais malgré tout, ses aptitudes physiques, et notamment, euh, tu l'as dit, ses capacités de bloqueur, ça le rend très intéressant. Euh, on parle éventuellement aussi de le positionner euh, de manière un peu plus hybride au poste de fullback. Mmh. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Euh, euh, je suis curieux. Voilà. C'est un, un joueur qui, qui m'intrigue et euh, j'aimerais aime, bien le voir évoluer à l'échelon supérieur. Ouais, bah a priori, c'est ce qu'on ira rapprocher de moi parce qu'il me semble qu'il est senior tout comme Paddy Fisher. Donc, a priori, euh, ce seront des joueurs ouais. qu'on aura toutes les raisons de, de surveiller au printemps. Euh, on, on, je, je te remercie déjà à titre personnel, Alex, d'avoir été en ma compagnie pour cette, pour cette moi. première qui n'est jamais vraiment simple à l'audio. Et on se retrouve pour une prochaine émission, j'en suis sûr. En tout cas, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast draft la semaine prochaine. A priori, ce sera avec mon camarade Victor. D'ici là, donc, restez bien connectés aux antennes de TDA. Est-ce que tu as un compte Twitter, Alex, pour ceux qui veulent te suivre à tout hasard Oui, Alexandre, underscore TDA donc alexandre underscore tda Radio ça pour moi également sur twitter, merci encore, merci à Alain Matéi également toujours pour la technique et on se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle émission sur TGN Actu une nouvelle émission notamment consacrée à la DRAF, salut à tous Ciao Tout sur le foutu est en les meilleures recettes dans TDAQ Fameux pour JJ Watt, puis spot pour Marshall Lynch Proclash Global Beckham Tom Brady Quaterback, calé sur le fauteuil option Madame Irma à la fin, on compte les points Et on finit en vocal